comme Rémi l'a dit, un petit peu un exemple de parcours de maître de conférence, d'accord, donc, ce qui est, qu'on pourrait considérer comme un poste d'associé de professeur, on va dire, pour simplifier par rapport aux dénominations anglo-saxonnes, même si ce n'est pas des comparaisons one-to-one qu'on peut faire. Ça sera aussi l'occasion de parler un petit peu de la manière dont on peut devenir un maître de conférence. Donc, si ça fonctionne. Donc déjà, pour commencer, donc ça c'est, on va dire, mes débuts dans l'académie. Donc, on va dire que j'ai un parcours assez classique où j'ai démarré donc, avec une classe préparatoire scientifique, donc plutôt orientée dans maths, physique et sciences de l'ingénieur, puisque donc, pour celles et ceux qui en ont fait, j'ai fait MPSI, PSI. Donc ça, c'était 2007-2009. À la suite de ça, j'ai eu l'occasion d'intégrer donc, l'École normale supérieure de Cachan, et notamment donc, la filière E2A, qui correspond à un département d'électrical engineering au sens large. Voilà. Et dans le cadre de cette formation donc, à l'ENS de Cachan, on avait une bonne partie des cours qui étaient avec l'Université d'Orsay Paris-Sud. Et donc, notamment, on va dire qu'on a les deux premières années, c'était un tronc assez général en electrical engineering. Donc, c'était la licence 3 et le M1, information, système et technologie. Voilà. Donc, globalement, ça ressemble beaucoup, par exemple, à ce que vous avez en première et deuxième année à l'ENSERM. D'accord. Une petite particularité de mon parcours, c'est que, on va dire, avant de basculer du Master 1 au Master 2 sciences, j'ai fait ce qui à Cachan est appelé une prépa agrég, donc c'est des préparations au concours de l'agrégation externe, sachant qu'il l'avait masterisé, donc c'est devenu un master 2, donc ce qu'ils appellent formation des enseignants pour le supérieur, donc moi c'était l'agrég de physique option physique appliquée qui nous intéressait. Malheureusement, on va dire que cet agrég-là a fermé, cette option de l'agrég a fermé l'année où on voulait la présenter, donc je suis resté pour la formation. Globalement, j'ai pas eu l'occasion de passer la grève. D'accord. Seulement une fois qu'on a fait ça, globalement, j'ai basculé vers un master 2 classique, donc de nanosciences, également dans la même région, puisqu'il était à Orsay. Donc sur nanosciences, dans un parcours nanodispositif et nanotechnologie, donc plutôt une version appliquée, on va dire, des nanosciences. Pas purement de la physique, c'était plutôt de la salle blanche, comment fabriquer des dispositifs, etc., etc. D'accord. Mais voilà, donc comme je disais, si on regarde d'assez loin, si on prend la prépa, deux premières années vraiment electrical engineering classique, et puis un master 2 qui restait quand même en lien avec les technologies de fabrication de la nanoélectronique, j'ai un background assez, assez typique pour l'electrical engineering. Et ça m'a amené donc à faire quelque chose que je souhaitais faire en entrant à Cachan, ça je le savais, je voulais faire une thèse, d'accord. Donc la thèse, j'ai eu l'occasion de la faire, alors, c'est un peu coupé là-haut, au centre de nanosciences et de nanotechnologie, donc, qui était anciennement l'Institut d'électronique fondamentale à Orsay. Donc ici, vous avez le nom traduit en anglais de ma thèse. Donc l'idée générale, ce qu'il faut retenir pour vous donner un peu de ce que j'ai pu faire après mon parcours electrical engineering assez classique. Donc l'idée, c'était d'essayer d'utiliser la physique de nanocomposantes du memory stiff. Donc memory stiff, c'est l'idée d'avoir de la mémoire memory stiff programmable, d'accord, dans des nanocomposants donc extrêmement intégrables. En gros, d'utiliser ces nanocomposants non pas pour faire de la mémoire conventionnelle, mais pour s'en servir comme des synapses artificielles capables spécialisé pour par exemple l'intelligence artificielle. Pourquoi on s'intéresse à faire ça? Globalement, c'était ce qu'il faut comprendre, c'est dans ces architectures d'IA, un des points clés, c'est d'avoir suffisamment de synapses pour faire l'apprentissage. L'idée d'avoir des nanocomposants qui sont capables de faire une fonctionnalité avancée, c'est très intéressant de ce point de vue. D'accord. Donc, c'était une thématique qui commençait à être un petit peu trendy quand j'ai commencé ma thèse. Ça continue toujours aujourd'hui. Donc,
si vous voulez un petit peu de technique quand même pour vous intéresser. L'idée, c'est qu'on utilise donc, les nanocomposants que j'ai étudiés, moi, sont des jonctions phénoménétiques. Donc, c'est des composants qui, à l'origine, étaient prévus pour des applications mémoire, qui le sont toujours d'ailleurs, donc c'est ce qu'on appelle les MRAM. Et l'idée de ma thèse, c'était de voir que okay, ces composants sont des composants binaires, mais si vous les programmez avec des impulsions courtes, ils vont commuter ou pas avec une certaine probabilité de commutation, et on peut exploiter ce phénomène-là pour implémenter des synapses probabilistes. Et c'est là où, en fait, mon bagage était assez intéressant, puisque j'avais une formation electrical engineering assez classique, alors que c'était plutôt des physiciens qui s'amusaient à faire ce genre de choses. Et puis bon, j'avais Master 2 de notion, donc j'avais aussi une idée d'un petit peu des techniques de fabrication, des problèmes de l'intégration, etc. etc. Et donc, d'une manière générale, vous présentez les tensions ici, vous appliquez du coup des tensions sur chacune de ces nanosynapses, et ça va faire circuler un courant qui va être proportionnel à sa valeur de résistance. Et à la fin, vous récupérez tout ça grâce au boîtier Kirchhoff, et vous avez la physique qui a fait une opération de type multiply and accumulate, qui est en fait au cœur de toutes les techniques d'IA actuelles. Et donc, c'est ça ce que je veux dire dans l'idée d'utiliser la physique intrinsèque des composants pour faire du calcul, c'est de revenir un petit peu aux sources du calcul analogique tel que c'était fait dans les années 70 avec les analyses AOP, par exemple. Donc ça, c'était un petit peu le fil rouge de ma thèse, donc, que j'ai effectué sous la supervision de M. Kerlius et Mme Retailleau. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de ma thèse, c'était principalement donc, de la simulation et de la modélisation phénoménologique de ces composants de manière à pouvoir faire tourner des simulations à grande échelle de ce genre de réseau. Par exemple, je ne fabriquais pas les composants. Ça, c'est un des points que le master de nanosciences m'avait appris, c'est que je ne voulais pas faire de salle blanche. J'avais la tête comme ça en sortant des TP de salle blanche, donc j'ai fait le choix de partir sur autre chose. Donc, durant ma thèse, j'ai également eu l'occasion d'être moniteur, donc de faire des enseignements, comme vous l'avez à l'INSERM ou à l'université. Et donc, j'ai fait 3 sixièmes de service complet, donc 3 années. 64 heures équivalent TD, sur des thématiques relativement variées, on va dire, en electrical engineering. Donc, j'enseignais par exemple en L2, dans des cours intégrés, électronique générale, enfin, plutôt l'électrocinétique de base, donc, les composants élémentaires, les AOP, les fonctions de transfert, etc. etc. J'avais aussi l'occasion de faire des TP de L3 sur les montages élémentaires à base de transistors, donc, tout ce qui est montage source commune, par exemple. Un peu manger généralement aussi. Et j'ai aussi eu la chance donc, d'enseigner à des niveaux un petit peu plus élevés. Donc, par exemple, j'ai dû faire un remplacement une fois sur des convertisseurs analogiques numériques. Où j'ai dû monter un petit peu le cours et puis une séance de TP pour des alternants. Et à Cachan, j'ai eu la chance de poursuivre une certaine activité dans l'électrotechnique qui était quand même une part aussi relativement importante de ma formation initiale. Avec des TP en M1 sur des moteurs, des machines tournantes électriques. Voilà. Et donc globalement, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'heures d'enseignement sur des thématiques relativement variées. Donc, une fois que vous avez soutenu votre thèse, se pose une petite question, c'est qu'est-ce que faire, d'accord. Et là, dans mon cas, bah, du coup, je suis parti sur l'option de faire un postdoc, d'accord, donc une activité de recherche postdoctorale, à l'étranger, parce que je n'avais pas effectué de mobilité internationale non plus. Et donc, l'idée, c'est que je me suis retrouvé, on va dire, de fil en aiguille, à l'Université de Californie, sur le campus de Santa Barbara. Donc, voilà, c'est... il n'y a pas que l'entrée du campus de Bordeaux qui en jette un peu. Et ce qui vous montre, c'est que le labo dans lequel j'étais, c'est littéralement celui-là. Donc, vous avez vu sur les surfeurs, depuis vos voilà, donc ça c'est l'idée du postdoc et je vais revenir un peu sur ce point-là parce que c'est important, notamment si vous vous destinez à une carrière académique, mais pas que. Donc si à l'issue de votre thèse, vous souhaitez faire un postdoc, il y a un aspect important dans votre postdoc, c'est que l'idée fondamentale, ça doit être d'acquérir de nouvelles compétences que vous n'avez pas pu développer durant votre thèse. D'accord ?
L'idée, ce n'est pas de faire une année ou deux années ou trois années de plus sur vos travaux de thèse, c'est de faire des choses que vous n'aviez pas pu faire durant les trois années d'avant. Donc, par exemple, dans mon cas, l'idée, c'est précédemment, rappelez-vous, donc je travaillais sur des jonctions kinémagnétiques qui sont des composants à base d'électronique de spin. Ben, en postdoc, moi, je suis parti travailler donc, sur une autre technologie mémoristique qui était des composants filamentaires en base de dioxyde de titane. D'accord ? Et par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler, donc j'avais fait surtout de la simulation et de la modélisation durant ma thèse. Moi, un des points qui m'intéressait dans le postdoc que j'ai choisi, c'était de faire par exemple de la caractérisation électrique. D'accord ? Donc le labo que j'ai intégré était équipé d'un magnifique 2500 à 100 000 euros. Donc pour pouvoir faire des mesures notamment sur ce genre de matrice de composants. Donc là, vous avez des lignes et des colonnes, et il faut imaginer qu'à chaque petite intersection, vous avez une petite couche comme ça de matériaux mémoriques. Vous avez un memory store à chaque intersection. Et donc, on pouvait faire des mesures individuelles avec une matrice de connexion, etc. etc. Alors, je veux dire que la matrice elle est montée dans ce genre de petits dispositifs. Donc voilà, la caractérisation électrique, c'est quelque chose que je n'ai pas fait en thèse, sur lequel je voulais avoir l'occasion de me faire un petit peu la main en postdoc. À côté de ça, donc, j'ai continué à faire de la modélisation phénoménologique de ces composants-là parce qu'ils avaient un besoin. D'accord ? Toujours avec cette idée d'être capable de faire tourner des simulations assez large échelle, crossbar de matrice de tels composants. Et pareil, un autre point sur lequel je n'avais pas eu trop l'occasion de travailler en thèse, c'était de travailler notamment avec des simulations SPICE, exploitant ce genre de modèle phénoménologique. Donc là, bon, très brièvement, l'idée c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec un doctorant, donc Reza Mahmoudi, qui était un dieu de SPICE, et cadence, et globalement, on s'amusait à simuler donc, des matrices de ce genre de composants basés sur les modèles qu'on avait développés, de manière, par exemple, à introduire les défauts qui traînent dans les matrices de telle technologie, de manière à voir de quelle manière ça impacte la précision des courants que vous avez en sortie, en fonction, par exemple, de la taille des matrices, de la résistivité des lignes d'accès, ou de la dispersion de composant à composant, par exemple. Donc, vous mettez tout ça dans votre bel outil de simulation, et on a pu ensuite simuler donc, des petites architectures de réseaux de neurones sur des tâches très classiques dans le domaine, et voir, par exemple, le taux d'erreur de mauvaise classification qu'on avait en fonction. Donc là, ce que vous avez, c'est différents scénarios d'utilisation. Par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un exemple idéal en logiciel. Et dans ces scénarios-là, on commence à être très proche des performances logicielles, tout en incluant quand même les caractéristiques physiques de ces crossbars ou de ces composants. Donc, c'est le genre de compétences que je n'avais pas forcément développé durant ma thèse et que j'ai eu l'occasion de développer en postdoc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous partez en postdoc, ce n'est pas non plus que pour travailler, même si les journées sont relativement longues. Donc, voilà, ça c'est Santa Barbara, si jamais vous avez l'occasion là-bas, prenez quelques jours, ça vaut le coup. Donc ça, c'est le campus. Il n'y a pas que le campus de Talence qui est sympa. Voilà. Et puis, il faut savoir que Santa Barbara a à peu près les mêmes attractions que Bordeaux. D'accord. Donc, quand j'y étais, il y a eu un joli incendie. Donc, le campus est là. Et ça a été le ciel pendant trois semaines. Donc, les incendies de cet été, c'était que de la redite, on va dire, pour un certain. Donc, il y a une deuxième possibilité. Il y a une deuxième possibilité à l'issue de votre thèse, si ce qui vous intéresse, c'est notamment une carrière académique, et surtout, je veux dire, presque uniquement, si vous souhaitez faire maître de conférence derrière, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. D'accord ? Donc, aussi abrégé ATER. Donc, l'idée de l'ATER, c'est que vous allez faire un demi-service d'enseignement complet, c'est-à-dire 192 heures équivalent TP. Ça peut sembler pas beaucoup, mais voilà, ça fait pas mal d'enseignements à effectuer. Par exemple, s'il y a des doctorants dans la salle qui sont également moniteurs ou monitrices, ils en font 64 heures, eux, et des fois, c'est déjà un petit peu dur de ne pas perdre trop de temps quand on fait de la recherche. Donc 192 heures, c'est pas rien du tout. Ça vous permet, en parallèle, de maintenir une activité de recherche durant cette année. Voilà. Et bon, faut pas vous attendre à être payé des cent et des mille, malheureusement, ce genre de choses.
Donc vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait l'idée de faire un MTBR, surtout par rapport à un postdoc, généralement vous êtes sensiblement mieux payé, et vous partez à l'étranger. Alors il y a au moins deux raisons à cela. La première, c'est si par exemple, vous avez une position d'ATER qui ouvre un endroit où vous savez que l'année suivante, il va y avoir un poste de maître de conférence qui va également s'ouvrir et qui vous intéresse. D'accord ? Parce que c'est quand même une opportunité d'apprendre à mieux connaître l'environnement local. D'accord ? À savoir un petit peu quels sont les enseignements qui sont faits, à apprendre également à connaître le labo ou l'équipe dans laquelle vous pourriez atterrir derrière. Donc ça, ça peut être voilà, une assez bonne opportunité. Et puis, il y a un deuxième cas qui se présente parfois, c'est les doctorants ou les doctorantes qui n'ont pas fait de monitorat durant leur thèse et qui, du coup, n'ont pas engrangé les heures demandées par les différentes sections pour pouvoir candidater au poste de maître de conférence. D'accord ? Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, certes, par exemple, si vous partez en postdoc, vous pouvez éventuellement demander à être teaching assistant là où vous atterrissez pour essayer d'engranger des heures dans un système un petit peu différent du système français. Le souci, c'est que des fois, pour faire le nombre d'heures minimum qu'il faut pour pouvoir candidater aux différentes sections, ça peut être assez compliqué, parce que quand vous partez en postdoc, vous êtes là-bas pour faire de la recherche et pas tant de l'enseignement. D'accord ? La TER, voilà, ça peut être quelque chose où, là, vous êtes sûr qu'en une année, vous allez faire toutes les heures qu'il faut dans n'importe quelle section, et vous serez du coup en mesure de candidater au poste de maître de conférence ensuite. D'accord ? Donc, si on s'intéresse justement un petit peu plus au processus de recrutement d'un maître de conférence, très brièvement, voilà, vous avez quatre grandes étapes. Donc, la première étape, qui est une étape purement administrative, c'est ce qu'on appelle la qualification. Donc, elle va dépendre des différentes sections du Conseil national des universités. Mais globalement, ça se résume à une étape où vous devez juste mettre tout un tas de documents administratifs que vous déposez sur ce magnifique site web qui s'appelle Galaxy pour justifier, par exemple, de vos activités d'enseignement, de vos activités de recherche, du fait que vous avez fait suffisamment d'heures d'enseignement, que vous avez publié des articles, que vous êtes allé en conférence, etc. etc. C'est pas tant pour jauger de votre niveau que pour vérifier que vous passez la barre minimum. D'accord ? Le seul risque que vous avez quand vous remplissez ce truc-là, c'est d'oublier une pièce et de vous faire jeter et de devoir revenir l'année suivante. Donc ensuite, il faut croiser très fort les doigts et allumer plein de cierges. Il faut qu'il y ait l'alignement des planètes. Généralement, ça va se résumer à il y a un poste qui s'ouvre dans un endroit qui vous intéresse, dans une équipe qui est dessous, et puis vous avez le bon profil pour candidater. Donc ça, malheureusement, vous n'avez pas trop de contrôle avec, donc ça vaut le coup d'être un petit peu à l'affût dans vos réseaux aussi pour savoir si jamais il y a des postes qui vont s'ouvrir ou pas. Et donc une fois que ça, c'est bon, il vous reste les deux grosses étapes qui sont la rédaction donc, d'un petit dossier écrit avec votre projet de recherche et vos projets d'enseignement. D'accord ? Et à l'issue de cette première phase-là, donc, il y a un certain nombre de candidats et candidates qui sont sélectionnés et qui seront invités à passer donc, une journée d'entretien, donc, ce qui va se résumer à vous faire une petite présentation de l'ordre de grandeur, c'est 20 minutes de présentation, à peu près autant de temps, voire un petit peu plus, de questions avec un jury de maître de conférence ou de professeur de l'université pour évaluer un petit peu votre dossier. Voilà. Et à l'issue de ça, vous avez ou vous n'avez pas le poste. Donc là, il y a quand même deux points sur lesquels je préfère insister un petit peu. C'est ce genre de procédure, ça s'anticipe pas mal. Parce que par exemple, ce truc-là, quand je dis que c'est à faire pour l'année dernière, c'est vraiment à faire pour l'année dernière. D'accord ? Il y a une session par an, vous ratez la session. Vous ne pourrez pas candidater au poste de maître de conférence de l'année qui vient. D'accord ? Si jamais vous êtes en postdoc à l'étranger, il y a un certain nombre de procédures qui peuvent se faire en ligne, par exemple ça. Après, voilà, il y a quand même des aspects logistiques où ça, en tout cas, avec un petit peu évolué, normalement, vous pouvez demander éventuellement des entretiens en visio, sachant que ça joue quand même des fois de se pointer en personne pour montrer que vous êtes vraiment intéressé par un poste. Voilà, et donc ça, si vous êtes à 10 000 km, ça peut être du temps et de l'argent, et puis les quelques vacances que vous avez en tant que postdoc. Donc moi, j'ai eu l'occasion, en
au printemps 2018 de passer ce processus pour un poste qui était à l'Inserm. Et donc, où est-ce que j'ai atterri? Bon, comme je l'ai dit, à l'Inserm Matmika, donc plus loin sur le campus. Donc ça, c'est pour la partie enseignement et pour la partie recherche. Je bosse là où on est aujourd'hui, ce matin, à l'IMS. Donc dans l'équipe, dans une équipe du groupe bioélectronique sur des thématiques donc d'IA matériel. Donc avant de poursuivre, quelques remarques un petit peu générales. C'est au niveau des établissements d'enseignement, si vous êtes maître de conférence, il peut y avoir plusieurs possibilités qui vont dépendre du poste qui est ouvert. Donc, par exemple, vous pouvez être enseignant à l'université, en IUT, ou comme moi, en école d'ingénieur. D'accord. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc là, sur le campus de Talence, on a un petit peu cette chance, c'est que généralement, l'endroit où vous faites votre recherche et l'endroit où vous faites votre enseignement, ils sont relativement à côté. Si vous atterrissez dans une université, disons qu'il y a quelques fois en province où l'université où vous enseignez et votre labo peuvent être séparés, ils sont dans des villes différentes. Ça, c'est des choses à prendre en compte dans votre poste. Et vous n'allez pas forcément enseigner que votre thématique d'expertise, d'accord, comme on va le voir juste après. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, du côté recherche, ce que j'enseigne très brièvement, c'est globalement de l'électronique analogique, mais pas que. Je fais aussi des TD de maths, j'ai une activité non négligeable sur plutôt enseigner les problématiques de conception de circuits imprimés. Et puis récemment, j'ai eu l'occasion d'être dans un groupe de travail qui a réfléchi à la mise en place de travaux pratiques d'analyse de cycle de vie dans le cadre des enseignements développement durable et responsabilité sociétale qui ont été inclus dans le cursus des écoles d'ingénieurs. J'enseigne de la première à la troisième année donc à l'Inserm, donc du niveau L3 au M2, quoi, finalement. Et bon, ça, c'est un petit peu particulier à mon pro, à ce qui m'a été donné, mais il y a une bonne partie de ces enseignements qui sont en fait des projets d'électronique. D'accord. Je ne fais pas tant que ça, par exemple, de cours magistraux, notamment en première et deuxième année. Quelle est la quantité d'enseignement que je donne? Donc, quand vous êtes maître ou maître de conférence, le service officiel que vous devez, c'est 192 heures équivalent TD. D'accord, par an. Donc ça, c'est le service officiel. Et donc, j'emploie le terme équivalent TD. C'est une manière de compter les heures, parce que les heures de cours magistral ne comptent pas autant que compte plus sur les heures de travaux pratiques, etc. etc. Et derrière une heure équivalent TD, il faut comprendre qu'il y a un petit peu plus de 4 heures de travail, par exemple, pour du point de vue des RH. Donc, ce 192 heures, mais en fait, juste du temps de travail annuel en France, vous divisez par 2 et vous avez divisé par 4,2, vous avez cette quantité-là. Dans le cadre, en tout cas, à l'Inserm, j'ai eu la chance d'avoir donc des décharges d'enseignement la première et la deuxième année pour pouvoir aussi m'intégrer un petit peu dans mon activité de recherche. D'accord. Je ne suis pas sûr que ces volumes-là soient identiques partout. À l'Inserm, c'est une politique relativement volontariste. Et en pratique, donc vis-à-vis des 192 heures qui sont demandées, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous faites généralement plus que ça. D'accord. Donc là, par exemple, c'est les heures supplémentaires que j'ai fait par an, lycée, sur on dirait les 4 premières années que j'ai passées à l'Inserm, sachant que, comme j'ai dit, les 2 premières années, j'avais des décharges, je n'avais pas le droit de faire d'heures supplémentaires. Je vous laisserai faire le calcul, mais voilà. Dans mon cas, on est plutôt, on va dire, autour d'au moins une centaine d'heures supplémentaires par an, et en tout cas, là où je suis, c'est plutôt une moyenne. Donc, juste pour donner un petit peu aussi quelques éléments saillants de ce que j'ai eu l'occasion de faire durant ces premières années dans mon travail d'enseignement, j'ai notamment été impliqué dans la conception d'une nouvelle spécialité de dernière année qui ouvrait à l'Inserm, donc en troisième année, qui est le parcours Electronic System for Biomedical Engineering, donc ESBIO pour celles et ceux qui connaissent, qui des gens qui connaissent très bien puisqu'ils sont dedans. Et à cette occasion, donc il y a eu pas mal d'enseignements qu'il a fallu concevoir et que je me suis récupéré du coup. Donc ça a été l'occasion d'apprendre pas mal de trucs nouveaux.
J'ai aussi eu à demander des financements pour pouvoir acquérir du matériel spécialisé pour mettre en place certains des 10 enseignements, donc notamment les équipements de CEM pour les étudiants qui sont là. Et puis, bon, après, dans les tâches, il y a des tâches un peu administratives. C'est moi qui me charge de concevoir l'emploi du temps. Et comme je l'ai mentionné juste avant, un autre des chantiers un petit peu rigolo dans lesquels j'étais impliqué et que j'anticipe pas spécialement quand je suis arrivé, c'est que j'ai été impliqué donc, dans la mise en place donc, des ateliers de fresques du climat à la rentrée pour les premières années et également dans la conception de travaux pratiques pour l'analyse de cycles de vie, avec notamment cette idée de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer d'introduire dans les cursus d'enseignement les problématiques de développement durable vis-à-vis des produits électroniques. Donc voilà, donc en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines responsabilités qui sont arrivées un petit peu plus vite que ce à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas forcément pour le pire, et puis bon, bah, c'est aussi l'occasion des fois de prendre d'avoir l'occasion de prendre des vraies décisions. Voilà, vous-même. Donc, du point de vue de la recherche, on va dire que j'ai été chanceux, parce que globalement, j'ai intégré donc, une équipe de recherche qui n'avait pas de problème d'argent. Ils avaient donc, des projets qui étaient en cours sur lesquels j'ai pu me greffer, donc, notamment où ils avaient des problématiques où mes compétences se greffaient relativement bien sur ces projets, ils avaient des manques de personnel là-dessus, donc j'arrivais plutôt bien. Et voilà, s'il fallait acheter un petit peu de matériel, ce n'était pas un souci. Notamment, je me suis retrouvé très rapidement avec un doctorant à encadrer. Je pensais avoir un petit peu de temps avant de faire ça. Et un mois après mon arrivée, voilà, j'avais un doctorant dans les pattes. C'est très bien parce que globalement, ce sont les doctorants et les postdocs qui vont faire la vraie recherche avec leurs petites mains. Mais voilà, juste pour dire que je n'avais pas besoin d'aller chercher des sous tout de suite pour avoir quelqu'un qui puisse faire de l'activité de recherche sur la base des idées qu'on souhaitait développer. Donc, la recherche, sur l'activité de recherche, il y a quand même un petit paquet d'activités qui étaient nouvelles, en tout cas pour moi. Alors, certaines de ces activités seront moins nouvelles pour les personnes qui auront l'occasion de faire des post-docs plus longs que ce que j'ai fait. Parce qu'il faut comprendre que mon post-doc a duré une petite année, ce qui est relativement court en fait, pour un post-doc. Mais du coup, globalement, ce qui est un petit peu nouveau pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est la supervision de l'encadrement doctoral. D'accord. Je me suis retrouvé aussi à écrire un certain nombre de livrables donc, pour les différents projets de recherche qui étaient en cours. Et puis, j'ai du coup un petit peu un corollaire, c'est que j'avais une activité de reporting vis-à-vis de ces projets. Parce qu'il se trouve que le collègue qui était en charge de ça dans mon équipe de recherche a pris des responsabilités côté enseignement, a été très occupé. Donc c'est un peu sur moi que c'est retombé ce genre de choses. Donc c'était l'occasion d'apprendre sur le tas donc, les rapports d'avancement, faire les présentations devant les comités de projets européens, etc. etc. Et puis j'ai aussi eu l'occasion donc, d'être impliqué dans l'écriture de projets pour aller gratter des sous. Parce que une raison pour laquelle l'équipe était sans problème d'argent, c'est quand même qu'on avait une activité d'écriture de projets assez importante. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion, par exemple, de participer à l'écriture de projets relativement importants, ce qui est toujours bon pour apprendre, pour ensuite espérer pouvoir écrire vos propres projets. Voilà, donc si on pense un petit peu plus long terme, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le court terme, j'exclus pas la possibilité d'aller essayer de tenter ma chance en solo, dirons-nous, pour certains appels à projets qui s'y prêtent, même si pour l'instant, globalement, on a encore une fois, on va dire, des problèmes de riches. Voilà, c'est juste pourquoi pas. Et éventuellement, donc, passer ce qu'on appelle l'habilitation, enfin, pas éventuellement, à assez court terme, l'idée, ce sera de passer l'habilitation à diriger des recherches. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est ce qui vous permet d'être directeur ou directrice de thèse. D'accord, et pas simplement co-encadrant ou co-encadrante. Voilà, donc c'est... L'idée, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez, si vous avez des sous, décider tout seul ou toute seule d'embaucher un doctorant ou une doctorante. Ce qu'il faut comprendre, ce qui a changé un petit peu par rapport donc, au travail qu'on peut faire quand on est thésarde ou postdoc,
c'est qu'il y a une, on va dire, une ressource qui est devenue particulièrement rare, c'est le temps. Dans le sens où je fais beaucoup moins de recherches avec mes petites mains que ce que j'ai eu l'occasion de faire quand j'étais en thèse ou en postdoc. Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites plus de recherches. En fait, ce que ça veut surtout dire, c'est que votre contribution, elle se situe à un niveau différent. D'accord. Ce que vous apportez, c'est plutôt la vision d'ensemble, puisque par exemple, quand vous écrivez vos projets de recherche, vous savez pourquoi vous voulez étudier ça, vous savez ce qui manque. C'est vous qui dressez le bilan de « Ok, il va me falloir un doctorant ou une doctorante, plus un postdoc pour pouvoir faire ça et ça en parallèle, et puis ça viendra complémenter quelque chose qui est déjà en cours ou avec des collaborateurs, etc. etc. » Donc voilà, c'est plutôt cette vision-là que vous... Que vous apportez, et c'est tout aussi gratifiant. Et puis, on va dire, le corollaire, c'est que vous appréciez d'autant plus les petits moments où vous avez le temps de faire de l'après-recherche avec vos petites mimines. D'accord. Voilà. Quelques mots, on va dire, sur les perspectives d'évolution de carrière. Donc là, ce que je vous ai mis, normalement, elles sont à jour d'hier soir, c'est les grilles de salaire, donc des maîtres de conférences, et puis les gens au-dessus, les professeurs des universités. Donc voilà, les échelons, on part du bas et on monte vers le haut. Et à un moment, vous pouvez envisager de passer de maître de conférence, donc MCF, à professeur des universités. Et donc voilà, ça prend par le commencement. Ce qu'il faut voir, c'est que, déjà, la bonne nouvelle, c'est que votre ancienneté en tant que thésard ou thésarde et postdoc est prise en compte. Donc voilà, le premier échelon, il peut sembler un peu ras des pâquerettes. Vous y êtes virtuellement pas. Globalement, vous allez être assez rapidement reclassé en tenant compte de l'ancienneté. Donc, vous allez plutôt démarrer dans les premiers grades dans ce point-là. Et la progression, bah, en tout cas au début, elle est relativement automatique. C'est juste que vous passez un certain temps dans chaque grade et puis vous passez d'échelon en échelon. À un moment, il faut quand même faire des actes de candidature. Donc, soit pour passer hors classe, soit pour, bah, par exemple, basculer de ce tableau-là à ce tableau-là où il faut repasser un concours. Peu l'équivalent de ce que vous avez passé pour devenir maître de conférence. Voilà. Et il n'y a pas forcément des places pour tout le monde. Voilà. Donc après, bon, je vous laisserai juger, ça c'est les salaires bruts. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous prenez le plus bas et le plus haut, il y a un peu moins d'un facteur 3. Si vous voulez avoir une pente un petit peu plus intéressante, effectivement, il vaut mieux être prof des universités que maître de conférence. Après, parce que vous n'êtes pas pauvre hein, quand vous êtes maître de conférence non plus. Juste pour m'amuser, je m'amusais à regarder hier soir, donc quand vous êtes dans ces échelons-là, globalement, vous êtes quand même dans le deuxième décile des salaires en France. Bon. Il y a aussi une partie un petit peu, enfin un point qui des fois grippe un peu, c'est la mobilité géographique. Parce qu'en fait, quand vous êtes maître de conférence, c'est un poste qui est attaché à un environnement local. D'accord ? Vous ne pouvez pas forcément... jongler d'un poste à l'autre aussi facilement, vous dire, voilà, je quitte ma boîte et je vais dans n'importe quelle ville en France et je retrouverai un job un peu similaire dans une autre boîte. Les postes sont un peu chers et du coup, vous avez tendance à ne pas vouloir les abandonner trop vite. Donc, pour une mobilité à long terme, généralement, vous avez une opportunité de ce style-là quand vous, par exemple, vous pouvez candidater ailleurs sur un poste de professeur des universités. Et ce sera l'occasion, du coup, de changer l'environnement local. Il y a normalement des possibilités de mutation quand même. Après, je ne suis pas encore plus intéressé que ça à ces possibilités-là. Il faut quand même faire un petit peu des dossiers. Et si ce qui vous intéresse, ce n'est pas tant une mobilité à long terme, mais plutôt quelque chose, on va dire, sur une base temporaire, il existe des choses pour des mobilités qui vont typiquement de quelques mois à quelques années. C'est typiquement les détachements. D'accord ? Donc, vous pouvez être détaché dans des unités de recherche, généralement à l'étranger, quand vous faites ce genre de choses. Donc, par exemple, dans mon équipe de recherche, on a l'exemple d'un collègue qui est parti plusieurs années au Japon. Un des autres collègues va partir à Singapour pendant une petite année dans le cadre d'un projet en collaboration avec le CNRS là-bas. Voilà, donc, il y a ce genre d'opportunités si c'est des choses qui vous intéressent. Et donc, vous pourriez me dire, bon, c'est bien joli, mais on fait beaucoup d'enseignements. On ne fait plus trop de la recherche avec une petite mimine, on va écrire des projets pour aller gratter des sous, et on gagne raisonnablement sa vie, mais on pourra peut-être gagner plus si on arrive dans le privé. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait devenir maître de conférence
Est-ce que c'est un choix logique? Alors, il faut quand même voir qu'il y a quand même quelques avantages, voire très gros avantages à cette carrière. J'en ai listé quelques-unes ici, alors pas forcément par ordre d'importance, encore que. Voilà. Il y a déjà la première idée de, généralement, de sentir utile. Vous allez avoir l'occasion de former des têtes bien faites, vous allez pouvoir repousser les frontières de la connaissance humaine. C'est des choses, des fois, qui ont un certain attrait pour les gens. Il faut aussi comprendre que c'est un métier dans lequel vous avez beaucoup de liberté. Et à mon sens, moi, si je devais retenir qu'une seule chose, ça serait ça. C'est globalement, tant que vous avez des sous en chair, vous faites ce que vous voulez. C'est que vous avez réussi à convaincre les gens que ce que vous vouliez étudier, c'était intéressant et ça avait un intérêt de vous filer de quoi financer quelqu'un pour travailler dessus, par exemple. Voilà. Donc, à partir du moment où vous vendez bien votre morceau, vous vendez bien votre projet, vous n'avez personne qui va vous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. C'est aussi vrai un petit peu en enseignement, dans le sens où, globalement, si vous souhaitez monter des enseignements intéressants pour la formation, moi, je n'ai pas eu de soucis à le faire, et en discutant avec des collègues dans d'autres établissements, c'est également le cas. D'accord ? Donc, voilà, vous avez une liberté certaine, que ce soit en recherche ou en enseignement. C'est aussi un métier où vous avez quand même une bonne flexibilité, par exemple pour vous organiser ou pour vous gérer votre emploi du temps. Donc ça peut être intéressant selon vos contraintes. Et puis, on va dire que c'est assez simple de faire des renouvellements thématiques. D'accord ? Donc, vous travaillez 10 ans sur un sujet, puis après vous pensez que vous avez fait le tour. Bon, encore une fois, il suffit d'aller gratter des sous dans un autre projet. Vous pouvez basculer vers une autre thématique si vous n'avez plus envie de travailler dans cette. Okay. C'est aussi un métier où, du coup, vous avez l'occasion un petit peu chaque jour de travailler sur des choses que vous n'avez pas forcément fait dans le temps. Donc, on va dire que c'est quand même intellectuellement stimulant. Vous êtes généralement sur des campus universitaires, donc avec des étudiants ou des étudiantes qui sont intéressés par ce que vous enseignez, avec des collègues qui bossent sur tout un tas de thématiques diverses différentes. Voilà. Et puis, comme je vous dis, moi, que ce soit en recherche ou en enseignement, je peux dire qu'il y a la moitié des choses que je fais aujourd'hui que je ne savais pas faire quand j'étais à côté. D'accord. Et bon, là, c'est deux autres avantages des fois que les gens voient. Celui-là, c'est celui qui est assez évident. C'est aussi un métier où vous avez l'occasion de voyager, notamment à l'étranger. Donc, que ce soit pour aller faire des conférences ou pour être visiting professeur pendant quelques mois, voire encore une fois, comme je le disais, il y a les procédés de détachement. Et puis, il y a quand même un attrait des fois pour les gens, notamment dans ces périodes-là, c'est que vous êtes fonctionnaire en France, ce qui vient avec une certaine sécurité de l'emploi. Donc voilà, donc ce que j'aimerais que vous reteniez un petit peu de cette présentation, c'est que maître de conférence, c'est un métier très stimulant et enrichissant, même si, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas non plus tout prendre avec des lunettes roses. Il y a aussi des choses dont il vaut mieux être conscient avant de se lancer dans ce genre de carrière. Et du coup, pour celles et ceux qui seraient intéressés, on a le droit de ne pas être intéressé, il n'y a pas de souci. Il y a tout un tas d'autres carrières très intéressantes également. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, donc il faut comprendre que les places sont potentiellement un peu chères, mais si vous avez une certaine mobilité géographique et un bon dossier, il n'y a pas vraiment de raison à ne pas réussir à obtenir ce genre de poste dans un endroit qui vous intéresse. Donc si c'est à la fois des activités de recherche et d'enseignement qui vous intéressent, n'hésitez pas à tenter votre chance. D'accord ? Voilà. Je m'arrêterai là, puis s'il y a des questions, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, du coup, vous êtes ancien chercheur, puis la qualité de travail, seulement sur la recherche, aussi sur les études. Alors, on va dire que ça évolue dans le bon sens. C'est vrai que historiquement, le travail était essentiellement jugé, on va dire, sur les activités de recherche, parce que c'est la chose qui est la plus mesurable, on va dire, notamment via des métriques comme les facteurs d'impact, le nombre d'articles que vous avez publiés. C'est facile de remplir des tableaux et de mettre des nombres dedans, et donc c'était plutôt ça qui était utilisé.
assez récemment, donc ce qui a été mis en place, donc là, quelque chose qui n'apparaît pas, par exemple, dans ces grilles de salaire, j'aurais dû le mentionner quand même, il y a un certain nombre de primes qui ont été mises en place, qui permettent d'augmenter quand même assez significativement certaines de ces, de ces sommes. Et par exemple, voilà, sur ces primes-là, l'an dernier a été mis en place un chantier, enfin qui a démarré cette année d'ailleurs, un chantier où une fraction de ces enveloppes de primes ont été réallouées pour valoriser les activités, l'implication dans les activités d'enseignement, afin d'éviter que ben, les personnes qui s'impliquent beaucoup dans l'enseignement, que ce soit pour monter des formations, pour ou faire évoluer des enseignements, et à pâtir du fait d'avoir des activités de recherche qui sont peut-être un petit peu en deçà de leurs collègues qui ont fait le bilan qu'il valait mieux faire le service minimum dans ces activités d'enseignement, faire 20 ans la même chose sans évoluer et continuer à publier 10 natures par an. Donc, j'ai bon espoir qu'on arrive quand même à valoriser de plus en plus les activités d'enseignement également. En espérant que ça répond à ma question. Sinon, moi, j'en ai une par rapport à Isibur. Qu'est-ce qui vous a motivé à la monter et concrètement, comment ça se passe pour remplir un emploi de temps à partir de, du coup, à partir de scratch, quoi. Ouais. Alors, bon, du coup, la situation pour le montage de l'option Isibur était un peu. Je ne sais pas si c'était particulier, mais en gros, il faut savoir que donc à l'ENSERM, je suis dans la filière électronique, et il y a, quand je suis arrivé, il y avait 5 spécialités de dernière année, d'accord, et il y en a une qui a fermé. Normalement, donc c'est poser la question de rouvrir quelque chose ou pas. Donc moi, j'étais tout nouveau quand je suis arrivé, et globalement, mon bilan, c'était que notamment sur les activités de conception d'électronique à l'échelle système. On met un petit peu bout à bout en fait, tout ce qui a été vu en première et deuxième année pour essayer de construire quelque chose de plus global. Ben, on allait avoir un trou dans la raquette au niveau de la maquette proposée pour les enseignements. Et donc moi, ça m'intéressait d'essayer de combler ce trou dans la raquette. Et donc, voilà, d'où mon envie de me greffer un groupe de travail qui allait réfléchir sur une nouvelle spécialité de dernière année. Et après, donc, sur la thématique, parce que Isibio, donc, on a quand même un aspect relativement tourné vers la santé. C'est venu justement de cette idée qu'on allait quand même monter un truc from scratch, et que du coup, ça fait un certain nombre d'enseignements à monter. Et il se trouve que les collègues étaient intéressés, soit pour adapter certains des enseignements qu'ils faisaient précédemment, soit sortir des choses qu'ils avaient dans les cartons, mais qui n'étaient pas mises en place. Était plutôt sur une thématique santé. Et il se trouve que c'est un domaine qui est porteur aussi en termes d'emploi ou de challenges sociétaux, on va dire. Donc globalement, c'était un aspect relativement opportuniste qui permettait d'éviter d'avoir à tout reconstruire de zéro, tout en proposant quelque chose qui comblait un trou dans la maquette. Et quand je dis par exemple que j'ai dû monter un certain nombre d'enseignements, on va dire en fait c'est les enseignements pour lesquels on n'avait pas de choses, ou c'est moi qui les ai récupérés et qui ai monté des choses sur des thématiques où je n'étais pas forcément spécialiste à la base. Donc il a fallu aussi un petit peu aller apprendre plein de choses. Et c'est là où par exemple votre formation de docteur est intéressante, parce que un des gros intérêts en tant que docteur, c'est que vous êtes une éponge à apprendre. C'est ça qu'il faut retenir. Globalement, vous êtes formé pendant 3 ans à aller manger de la biblio pour réussir à faire des choses que vous ne saviez pas faire avant. Et dans mon cadre personnel, il y a aussi l'année de formation, l'agrégation, qui a été pas mal utile pour faire ce genre de choses. Merci. Alors, une question de Kimi. Je me demandais, au niveau de la création des idiots, je me dis que au début, les enseignements, ils ont relativement évolué entre la première année et la quatrième année, surtout pas actuelle. Comment ça s'est passé? Alors, je ne vais pas dire qu'il y a de l'essai et erreur, mais l'idée, c'est que la première année, il a fallu qu'on ouvre, quand même, parce qu'il y avait un problématique de fenêtre temporelle. Donc, globalement, si on n'ouvrait pas le plus tôt possible, c'était quand même pas évident qu'on arriverait à convaincre les gens, une fois qu'on aurait fait l'essai d'une année à 4 spécialités au lieu de 5, que ce serait aussi simple de les motiver à rouvrir quelque chose l'année suivante. Et du coup, il fallait ouvrir quelque chose. On a eu la chance de démarrer avec une promotion relativement petite, ce qui permettait de faire des choses sans trop
soit sans trop d'organisation logistique. Mais la maquette qu'on a proposée la première année est en fait pas si différente de ce que vous avez cette année, par exemple, dans le cadre EasyBio. On ne s'est pas trop trompé, on va dire, sur le montage de la maquette. Il y a des enseignements sur lesquels on n'était pas très sûr. Enfin, voilà, nous, ça nous semblait important qu'ils y soient. Après, ça pouvait se discuter. Et les retours qu'on a eus des premières promotions nous ont confirmé dans l'idée que c'était des enseignements intéressants à proposer aux étudiants et aux étudiantes. Donc, ceux-là, on les a conservés. Des fois, on a modifié un petit peu les formats parce que ça prenait trop de temps. Ou au contraire, ben, la première année, c'était, il fallait surtout proposer quelque chose. Et on a pu muscler ensuite les travaux pratiques qu'on a fait. Pour vous donner un exemple très clair, très pratique, par exemple, les TP de CEM que vous avez cette année. La première année, on a dû faire uniquement le TP 1 sur les sons de champs proches. Et c'était une version très, très réduite. C'était juste pour qu'ils aient vu les appareils parce qu'on a reçu le matériel, on va dire, 3 semaines avant qu'ils partent de l'école. D'accord. Donc, voilà. Il y avait une question de Nathalie. Une question en complément aussi par rapport à moi, j'ai eu la chance d'être directrice du département électronique au moment où tu as été recrutée. Ça a été vraiment une chance pour l'équipe pédagogique de t'accueillir au sein du département. Donc, je parlais tout à l'heure de liberté. Donc, la liberté, on l'a effectivement dans toutes les recherches. À partir du moment où l'activité elle est bien lancée, il faut comprendre que si l'activité n'est pas encore tout à fait correctement lancée, elle n'est pas bien financée. Et si elle n'est pas bien financée, on n'est pas libre. On va dépendre de collègues et puis. Et on l'a aussi côté enseignement. Le meilleur exemple, effectivement, c'est la participation à ce groupe de travail. Effectivement, on est resté 2 ans à 4 options. Il fallait, on avait des impératifs à l'ouvrir, sinon on savait qu'on resterait définitivement à 4. Donc il fallait manquer quelque chose. Et avec tes compétences et puis ton souhait de manquer ce problème-là, on a pu avancer au bout de la vidéo et ça, c'est vraiment assez intéressant. La liberté, elle est aussi du côté de l'enseignement. Et puis, on va, les enseignements, ils bougent assez régulièrement. On va lancer une réforme de la réforme de la suite. Et là, ça va encore nous présenter pas mal de discussions et de modifications des enseignements actuels à venir, etc. Donc, là encore, il va y avoir, c'est-à-dire toujours le bon côté positif de la chose, c'est-à-dire une possibilité de proposer des nouvelles choses. Dans lequel de cette réforme va venir. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de liberté qu'on peut avoir. Et je te rejoins particulièrement, c'est vrai, la ressource qui va nous manquer le plus, hein, c'est le temps. C'est la seule qui nous manque, c'est le temps, et tout le reste, globalement, là, on est dans son environnement où on a potentiellement d'autres problématiques que le temps. Tout à fait. Bien, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. En début d'après-midi, vous aurez à l'autre côté le cas de Yohann Vérac qui du coup fait sa thèse à l'IMS et du coup qui est en entreprise. Là, vous avez l'exemple académique, vous aurez l'exemple industriel. Je vous remercie. Vous avez le café dehors avant la présentation de M. David. So coffee break.